Je vois plein de papiers sur la table et mon père dans le canapé en pleurs. Je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, ça te laisse des séquelles. Les premières visions de la femme, c'est dans quoi à ton avis? Etc. À ce moment-là, je pars dans une dépression totale. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est avec Florent Sinamapongol et j'ai plein d'anecdotes croustillantes à partager avec vous. Mais avant qu'on commence, un grand merci à Unibet qui sponsorise cette vidéo et grâce à qui ce petit code promo que tu peux retrouver dans la description est disponible. Évidemment, on est à l'occasion du match, le gros match de Première Ligue entre Liverpool et Arsenal, deux prétendants au Big Four évidemment, mais surtout deux prétendants au titre, donc match à ne surtout pas manquer, mais attention, bel avertissement importantissime pour les moins de 18 ans, interdiction formelle de participer, on ne parie pas, et pour les autres, eh ben on parie modérément pour que ça reste un plaisir et jamais plus que ce qu'on peut se permettre. Mais c'est parti, Florent Sinamapongol, comment tu vas? Bah écoute, très bien, merci Colin, super cool. Écoute, plaisir d'être avec toi dans ta partie de ton histoire, parce que c'est ton histoire, tout ce que Ça me tu, touche. tout ce que tu fais en permanence au quotidien, les gens répondent présents, que ce soit avec tes abonnés ou les grands fans de foot, ça leur permet de rester connectés avec différents types de personnalités qui viennent partager ces moments avec toi. Et je pense que c'est ça qui est kiffant, en fait. C'est ça qui est kiffant parce que on a tous un peu nos chemins, nos Ouais. parcours tellement différents avec des aléas, des hauts, des bas. Et indirectement, on arrive tous un peu à se livrer à toi. Donc, C'est gentil. c'est que t'es l'homme du moment avec qui on a envie de se livrer, quoi. Donc, lâche rien, c'est Merci cool en tout cas. beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et ben, écoute, tu tapes dans le mille parce que j'ai pas mal de questions à te poser, parce que tu fais partie des profils pour qui cette émission notamment a été créée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites à ton sujet, pas mal on va dire, de raccourcis qui ont été faits sur ton histoire. Et j'ai tellement de questions pour que tu m'expliques tout ce qui s'est passé. On va pas trop traîner, mais avant qu'on commence, on va parler d'actu parce que monsieur est consultant pour Canal depuis un petit moment maintenant. Parle-moi un peu de ça, comment ça se passe pour toi? Tu as l'air de prendre du plaisir dans ce que tu fais, maintenant tu es même en bord terrain, donc dis-moi, je t'ai vu toucher un petit peu à tout, tu as même fait des interviews, tu as fait plein de choses. Comment ça se passe pour toi? Je fais pas mal de choses. J'avoue que, en fait, ce qui était assez fort, c'est dès que je suis arrivé à Canal, on a eu cette envie tout de suite d'aller sur la première ligue, parce que c'est pour ça qu'on est venu un peu me chercher, en fait, parce que voilà, c'est un championnat que je connais bien, un championnat sur lesquels très jeune j'ai été voir ce qui se passait, ce qui se faisait de l'autre côté de la Manche. Et indirectement, c'est un championnat, ouais, qui fait beaucoup rêver. Donc, moi, je l'ai connu en tant que joueur, aujourd'hui en tant que de l'autre côté, du côté des médias. Et ouais, non, cette actu chez Canal, c'est un kiff tout le temps, parce que sans te mentir, ça me permet de rester en contact de ce qui se fait de mieux, avoir aussi, moi, sur le côté perso, bah, une visibilité qui fait une continuité de ce qu'on a pu connaître en tant que joueur, tout simplement. Je vais faire appel un petit peu à ton rôle de tous les jours, à ton rôle de consultant, parce que évidemment, tu le sais, il y a un gros match de Première Ligue qui arrive, Liverpool-Arsenal. Ouais. Alors dis-moi, d'ailleurs, c'est Liverpool-Arsenal ou c'est Arsenal-Liverpool? Liverpool-Arsenal. C'est Liverpool-Arsenal. Je sais, j'y vais, ça. Écoute, J'y suis, donc. j'ai des questions pour toi parce que. Alors c'est peut-être mon côté fan de Tottenham qui fait que mon jugement est un peu biaisé, mais. Je suis un peu plus convaincu, et je pense que je suis à contre-courant de tout le monde, par le rôle à jouer de Liverpool dans cette saison où je les vois revenir fort, où je les vois avec un gros travail qui a été fait de restructuration, de reconstruction de l'effectif après un coup de moins bien la saison dernière et des départs importants. Je suis plus convaincu par ça, en les voyant jouer, que par ce que propose Arsenal. Je m'explique, je les ai vus buter face aux gros, notamment, même si là, ils sortent d'une grosse performance contre Brighton, c'est pas facile d'aller jouer là-bas et de les battre. Ouais. Mais je trouve que face à Tottenham, à domicile, c'était sur un fil, même s'ils ont plutôt dominé les débats. Alors qu'on est dans un Tottenham qui est dans une reconstruction, donc une étape un peu inférieure à eux, je trouve, dans Ouais. le développement et dans le projet. Je trouve que face à Manchester United, où voilà, y a pas trop de débats, face à City. C'est un concours de circonstances où il y a un but dans les dernières minutes, une frappe contrée qui fait qu'il gagne. West Ham, ça perd. Il y a face à Aston Villa, qui est très costaud aussi, ça perd récemment. Je suis pas hyper convaincu. Liverpool, de l'autre côté, c'est invaincu depuis, je crois, la défaite contre Tottenham
fin septembre. Fin septembre, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu vois ça? Comment tu Bah, les vois évoluer? déjà, il y a déjà le côté qu'effectivement, déjà, Liverpool est invaincu à domicile. Donc, voilà, déjà, la grosse chose, là, ils ont laissé des points ce week-end face à Man United, mais qui a fait un match intéressant dans un derby du Nord qui méritait de s'appeler comme ça. Alors, c'était pas un gros match. Pour le match historique normalement d'Angleterre où tout le monde l'attend parce que ça reste quand même les deux plus gros clubs du pays. Je te rejoins sur le côté que Arsenal aujourd'hui, ils sont, on va dire, moins influents que ils ont moins de maîtrise que la saison dernière dans tout ce qu'ils entreprennent. Ouais, ce qu'ils arrivent à entreprendre dans le jeu, dans les prises de décision, avec des joueurs aussi, on parle beaucoup des joueurs qui sont absents, mais moi, je dis toujours, avant de parler des joueurs absents, il faut parler de la performance des joueurs qui sont présents. Offensivement, ça a beaucoup moins d'impact, ça, c'est moins tranchant, ça fait moins mal, mais parce que aussi, voilà, les équipes en face sont beaucoup plus préparées aussi. C'est sûr que cette année, Saka, l'année dernière, marchait pas sur l'eau, mais il était très influent dans chaque prise de décision offensivement sur l'attaque des Gunners. Cette année, beaucoup moins, par exemple. Les côtés, Martinelli de l'autre côté, c'est pareil. Donc, voilà, Odegaard qui est encore présent, qui est toujours costaud, qui est bien, avec la venue de Declan Rice, ça fait énormément de bien au milieu. Mais je pense à Partey, leur manque énormément sur cette assise défensive, mais qui permet aussi de pouvoir se projeter offensivement. Quand par exemple ben, les trois de devant sont beaucoup plus cernés et cette seconde ligne peut arriver pour leur faire mal. Parce que c'est quand même un football qui dézone beaucoup, qui a beaucoup de fluidité avec le ballon, mais aussi dans les mouvements. Et c'est sûr que ben, quand vous avez des joueurs clés comme ça qui vous manquent, qui n'est pas présent, bon ben c'est compliqué avec Gabriel Jesus qui revient, qui a été longuement blessé. Donc en fait, il y a vraiment un concours de circonstances qui fait qu'à un moment donné, c'est normal qu'il y a moins de fluidité, ils sont moins, j'ai envie de dire, l'impact est vraiment, on le sent beaucoup moins, on le sent beaucoup moins, et c'est vrai que juste pour cette raison, on pourrait penser qu'à un moment donné, ils vont pas faire partie certainement des deux ou des trois dernières équipes qui se battront pour le titre. Mais si on leur demande aujourd'hui d'être plus pragmatique de cette manière, gagner les matchs, être présent, d'accord, être présent et gagner et surtout être leader, hein, en faisant moins mais en étant plus clinique. Je pense que cette équipe aujourd'hui ne peut que grandir par rapport à qu'on a toujours remis en, en mis en question ben, leur jeunesse, leur manque de maturité, le manque d'expérience. Donc moi je savais que par exemple avec le jeu le jeu aussi fluide qu'ils avaient l'année dernière, que le péché allait être à un moment donné sur le manque de maturité parce qu'ils n'étaient pas capables de gagner ces matchs ou de tuer ces matchs avec quand ils avaient ce côté dominateur. Parce qu'effectivement, quand tu regardes les résultats d'Arsenal l'année dernière, dominant dans le jeu, mais rarement par le résultat. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. C'est-à-dire que tu menais 2-0, boum, ça revenait à 2-1, ça revenait au dernier moment et remarqué au dernier moment 3-2, tu vois. Voilà, donc une équipe dominante par le jeu, mais le résultat faisait que le match était toujours vivant jusqu'à la dernière Ouais, minute. c'est vrai, c'est D'accord? vrai. Cette année, c'est moins le cas. C'est moins le cas, mais c'est plus clinique. C'est-à-dire que ils sont capables de tuer les matchs très tôt. Ils sont capables d'être moins impressionnants, mais le résultat est là. Donc, je pense que moi, à un moment donné, ça te montre aussi C'est clair. un plus dans la maturité des joueurs, C'est clair, c'est vrai. dans le travail, dans le processus de travail de Mikel Arteta, et c'est là où je pense qu'ils seront là. Alors, je pense pas qu'ils seront champions, mais je pense qu'ils seront là dans la dernière ligne droite. Comparé à Liverpool, ils ont retrouvé carrément, j'ai envie de te dire, allez, ouais, je vais dire une deuxième jeunesse. C'est-à-dire avec un homme, avec un nouvel, avec le même homme, mais une nouvelle jeunesse dans leur jeu, qui est le jeu de transition. Aujourd'hui, je pense pas au monde. Allez, je dirais le Real de Madrid aussi, le Real Madrid, mais je pense que Liverpool est certainement l'équipe
qui est la plus ouais, c'est fulgurant leur transition, c'est ouf. Comment ils sont capables effectivement de mener ces intensités à vague, Ouais. en enchaînement, en transition défensive à offensive, tu vois. Et ça, malheureusement, ils n'étaient plus capables de le faire avec les trentenaires qu'ils avaient au milieu de terrain l'année dernière. Genre comme Fabinho, qui, je pense, on a été vraiment, on a été vidé tout le jus de l'orange qu'il y avait. Et on a pressé, on a pressé, on a pressé. Et je C'est pense qu'à un clair. moment donné, c'était compliqué. Ouais. Anderson, voilà, il y avait ce leadership par le capitana, mais les efforts étaient moins présents. Après, les autres joueurs avec qui ils ont misé dessus, Thiago Alcantara, qui est énormément blessé physiquement, qui je pense n'est pas très bon joueur comme il est, phénomène comme il est, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont faits pour tel club et d'autres pour autre. Et je pense que voilà, lui, Liverpool, c'est compliqué pour ce jeu d'intensité, de transition, peu de buts Ouais. en faible. Donc voilà, donc apporter alors un pour préparer Szoboszlai, McAllister, associé à Elliott, à Jones, apporter voilà, apporter un Alexander Arnold qui on va moins lui demander d'être sur le côté droit, mais l'emmener plus à l'intérieur parce que ça lui permet aussi d'être plus près du jeu et certainement de la première perte. De pouvoir défendre tout de suite en avançant et non pas le faire sur ses 40, 50 mètres de sprint pour aller défendre à son poste de latéral droit quand il est pris. C'est l'équilibre que Klopp a trouvé. C'est Ouais. l'équilibre qui va très bien aujourd'hui avec le jeu de Liverpool. Et ça marche. Ça marche parce que effectivement, pour juste réussir à les contrer aujourd'hui, c'est d'apporter la même intensité que Manchester United a fait cette semaine, enfin ce week-end, et qui montre que effectivement, dès que tu arrives à porter cette intensité sur 95 minutes ou 98 minutes, ouais, tu peux avoir ce jeu de cette capacité à peut-être les faire douter. Même à Anfield. Mais c'est vrai que Liverpool a trouvé ça avec un Darwin Núñez qui moi, j'étais persuadé qu'il lui fallait un peu plus de temps. Mais je savais qu'il allait être adoré, malgré qu'il ait toujours un manque d'efficacité. Mais ce genre de joueur transcende un stade, transcende Anfield, transcende les joueurs parce qu'il est très demandant. Il a une débauche d'énergie qui peut que plaire à ce qu'on a envie de voir aux Reds, chez les Reds. Et voilà, un Mo Salah qui marche toujours sur l'eau. Allez, Lucho, Luis Diaz, c'est plus compliqué, mais avec tous les événements qui lui arrivent aussi ces derniers mois. Donc voilà, mais après, moi, en ce moment, c'est plus Szoboszlai, je suis. Ouf, c'est compliqué. Waouh, ça Ouais. fait. J'ai l'impression, depuis que la Hongrie s'est qualifiée pour l'Euro, alors, je sais pas s'il était en sur-régime, je sais pas s'il a. Mais je sens que ça fait un. Hey, il est un peu en plus en dedans en ce moment. Et le milieu de terrain, ben, il était moins performant là, en tout cas ce week-end. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je t'avoue que, à contrario de tout ce que je viens de te dire sur mes doutes sur Arsenal, j'ai l'impression que beaucoup de mes doutes vont s'envoler si Arsenal est capable de sortir vainqueur de ce match-là. Ça répondra beaucoup à mes interrogations. Alors que si Liverpool gagne, mes doutes resteront les mêmes sur la capacité à aller au bout. Donc, à voir. Franchement, j'attends de voir Arsenal dans ce contexte-là. Parce qu'en plus, je pense que c'est une équipe avec toutes les qualités que tu viens de décrire. C'est l'arme parfaite pour frapper Arsenal. Donc, à voir. Écoute, en tout cas, le rendez-vous, il est donné. On a un gros, gros match qui nous attend cette semaine et je pense qu'on Oh, devrait gros, pas gros être match. déçus. Ouais, On je pense devrait pas aussi. être déçus. Bon, on en vient à toi et à ton histoire, parce que c'est pour ça que je te fais venir dans cette interview et que je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'il y a plein de choses que je veux connaître de ta vie, plein de sentiments que j'ai imaginé ressentir à ta place en me mettant dans tes baskets, comme on dit en anglais. Avec le jeune âge qui correspond, les influences, etc., qu'il peut y avoir à côté. Donc, mettons les pieds dans le plat. Tu arrives en France, tu es originaire de La Réunion, tu arrives en France à 11 ans, Ouais, si je dis pas de ouais. bêtises. Dans quel contexte t'arrives? Est-ce que c'est lié au football? Est-ce que c'est lié à ton ambition? Ou est-ce que c'est lié à un cadre de vie familial qui change? Non, 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 j'arrive avec plein d'ambition, un gros pari du Havre qui vient me chercher à la Réunion, ouais. D'accord. Directement. En fait, il y avait le tournoi de Pâques, ça s'appelait le tournoi de Pâques, donc qui avait lieu toujours au mois d'avril à la Réunion. Et sur 2 ans consécutifs, le Havre et le FC Nantes faisaient partie de ce tournoi. C'était les deux équipes métropolitaines qui venaient
à La Réunion pour ce tournoi. Et la première année, on les bat en finale. On bat Le Havre en finale. Et la deuxième année, on les bat en demi-finale. Et c'est vrai que avec mon équipe de La Réunion, avec la JS Saint-Pyroise, et c'est vrai que ces deux éditions, voilà, je termine moi une fois meilleur joueur et l'autre meilleur buteur. Mais c'est vrai que sur la première édition, déjà, voilà, il y a un vrai intérêt du Havre de dire, bon, ce jeune, pourquoi pas, on aimerait bien le prendre, on aimerait bien le voir. Il y a un certain partenariat qui s'installe aussi avec la JS Saint-Pyroise. Et effectivement, j'arrive à 11 ans, à 11 ans en métropole, que pour le football. C'est-à-dire, quand pour le football. Bon, le football, non, l'éducation, pour la suite de mon éducation, footballistiquement parlant, mais aussi ben, l'école, tout qui va avec, quoi, en sport-études. Mais non, non, mes parents restent à La Réunion. C'est-à-dire que je viens seul de La Réunion à la métropole. Bon bah déjà on va mettre les pieds directement dans le plat. Quand on a 11 ans, qu'on quitte La Réunion, qui est pas la porte à côté par rapport à la métropole, Ouais. tout seul à 11 ans, beaucoup de gens sont là à critiquer les footballeurs, à dire ils gagnent beaucoup d'argent, ceci, cela, cela. C'est quand même toute une jeunesse qui est, je mets les guillemets parce que tu vis de ta passion, mais L'aimez pas, mais parce que je vois ce que tu veux dire, mais l'aimez pas, je pense que t'es dans le vrai. Vas-y, dis. c'est une jeunesse sacrifiée. C'est-à-dire que tu mises tout sur un avenir potentiel avec la concurrence qui va avec les sacrifices qui vont avec, parce que moi, à 11 ans, je rentre de l'école, je vais taper le ballon avec mes copains sur le stade municipal, voilà, et je fais mes devoirs et c'est réglé. Toi, on n'est pas là-dedans. Donc, tous ces petits plaisirs-là qui font partie de ma jeunesse et des souvenirs que je chéris, toi, tu les as pas. Non. Comment on vit ça à cet âge-là, 11 ans, sans ses parents, à je sais pas combien de kilomètres, et que comment tu fais? En fait, en gros, moi j'ai. Alors, faut savoir que déjà pour remettre tout dans le droit chemin, c'est que c'est pas mes parents qui, à un moment donné, qui me disent tu vas y aller. C'est-à-dire que quand Le Havre vient me proposer, ils viennent chez moi. Alors, je t'explique. En gros, ils viennent chez moi entre la deuxième année, entre la qui viennent. Ils viennent chez moi entre la demi-finale, enfin on les bat en demi-finale et le soir même en fait ils sont chez moi. Et moi en fait je suis chez moi, je dors déjà et je me prépare pour la finale du lendemain. Et en gros ils étaient venus chez moi, je crois qu'il devait être minuit, moi j'étais déjà couché, ils étaient réunis avec mes parents et tout ça. Et le lendemain je me réveille et quand je retrouve mes parents dans le salon avant de repartir 2 3 heures après au stade municipal pour jouer la finale, je me retrouve avec plein de papiers, je vois plein de papiers sur la table et je vois ma mère qui est assise à la table et mon père entre guillemets dans le canapé en pleurs quoi, tu vois. En gros voilà, c'est quand je me réveille le matin, c'est à ça que je me confronte et je me dis waouh, c'est quoi ce délire. Donc moi à ce moment-là je sais pas ce qui se passe, j'en ai aucune idée. Et de ce moment de doute ou de qu'est-ce qui se passe, ma mère qui m'apprend un peu ce qu'il en est, que voilà, qu'ils étaient venus, ils sont restés jusqu'à 1 heure, 2 heures du mat à la maison et ils nous ont proposé ça, voilà un peu les projets qu'ils ont pour toi. Et aujourd'hui, ben, si tu as envie de le faire, et ben, le papier, il est là, ce sera toi qui signeras et nous, en tant que, bien sûr, en tant que garant, parce que ben, je suis mineur, on acceptera ta décision. Et donc, c'est bien moi, en fait, qui prend la décision de savoir qu'un an après, je vais quitter La Réunion sans eux, en fait. Et en gros, moi, cette décision, franchement, elle est prise. En fait, tu vas me dire, je suis un ouf, mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, j'ai été traumatisé, et j'avais que 9 ans, j'ai été traumatisé, en fait, par le décès de mon grand-père. Et le décès de mon grand-père, en fait, c'est. Tu sais, ce genre de truc où t'as 9 ans, où t'as un peu tes parents qui se prend un peu le chip, toi, qui se prend un peu la tête sur une conversation, tu vois, t'es dans la voiture. Et en fait, tu vois, les discussions un peu, les problèmes familiaux qu'il peut avoir, tu sais, dans une famille, quoi, tu vois. Donc, il y a ma mère qui se prend un peu la tête avec mon père sur un sujet de conversation, tu vois, de famille. Et en gros, je me rappelle, je suis à ce moment-là, j'ai 9 ans, je suis allongé sur la banquette arrière parce qu'il est en train de rentrer, on est en train de rentrer chez nous, et mon père qui sort, tu sais, en mode comme ça sur la conversation, imaginons que ton père il décède demain matin, en disant ça à ma mère, tu vois. Et le lendemain matin, coup de fil, mon grand-père décédé. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, je me dis mais waouh, la vie c'est ça en fait, c'est là j'étais là-bas, tout le monde va bien, tac tac, yana. Et là, sur une conversation, un truc, moi, qu'à 9 ans, tu sais, quand t'entends ça,
Donc c'est pas un truc qui te fait plaisir parce que tu te projettes pas à ça, mais que la réalité, boum, te fait face en pleine gueule, tu dis waouh, c'est quoi ce délire? C'est que ça va à ce niveau-là, c'est tellement rapide. Et effectivement, ça se passe. Je dis, moi je rentre, il doit être 22 h chez moi, je vais me coucher, tac, le lendemain matin, coup de fil chez mes parents, il est très tôt, et ma mère qui apprend que son papa il est décédé, qui est mon grand-père. Et en fait, à ce moment-là que j'ai telle chose, j'ai la proposition du Havre qui m'arrive, je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête, en fait, le décès de mes parents. Je me dis, mais en gros, c'est-à-dire que demain, il se passe quelque chose avec eux, qu'est-ce que je fais? Je deviens quoi? Et là, j'ai pour moi une opportunité, en fait, de me dire, ben, je vais vivre un peu, prendre mon destin en main, en fait. Mais sauf que la différence entre ça et être, c'est que entre un adulte qui réfléchit comme ça et un gamin qui a 11 ans, c'est qu'à un moment donné, tu vois, et en fait, effectivement, à ce moment-là, j'ai 10 ans, quoi, parce que je pars l'année d'après. Donc, j'ai 10 ans et j'ai, en fait, j'ai cette question-là en tête. J'ai ce truc qui me revient en tête et me dire, bah, ouais, fais-le, quoi. Et c'est pour ça que je prends la décision de me dire, allez, je vais prendre cette décision-là, ouais, je veux y aller. Et j'y vais. Alors, c'est dur. Après, pour répondre plus à tes questions sur la suite, c'est très compliqué. Parce que moi, en gros, j'arrive au mois d'août, d'accord? Donc c'est l'été là, c'est l'été. Donc là encore, c'est pas trop le gros changement climatique. C'est-à-dire que tu vois, je parle de la Réunion, il fait quand même 24, 25 degrés. J'arrive au Havre, il doit faire 28, 27 degrés. Donc ça va au mois d'août, tu vois, c'est pépère. Donc j'arrive au mois d'août. Tu sais quand est-ce que je fais mon premier match avec le club? Le 3 mars. Non, pardon, le 5 mars. En fait, du moment que j'arrive et au moment que je m'adapte, en fait, à ce moment-là, j'ai un changement de nourriture, changement de rythme d'entraînement, changement climatique, et mon corps, en fait, il accepte pas. C'est-à-dire, à 11 ans, j'ai des claquages, je me retrouve à un moment donné dans un fauteuil roulant où j'ai une fracture, j'ai une entorse de l'autre côté, j'ai des béquilles, je sors d'un bus, boum, je tombe, je me fais fracture de l'autre côté. En fait, je deviens super fragile parce que moi, le jeudi, je me rappelle, le centre, c'était steak frites. Et moi, le steak haché frites ou le burger frites que les mecs métropolitains, ils étaient comme en balle dessus. Moi, j'ai dit, mais moi, je vous le donne mon truc. Moi, je veux mon riz, mon rogat et saucisse, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire. Et en gros, tout ce changement-là, pour moi, il est réel, quoi. Je le prends en pleine tête, tu vois. Et c'est dur parce que, effectivement, je m'adapte pas. C'est très, très compliqué. Mais ben déjà la première année je suis pas au centre, je suis en famille d'accueil chez Anthony le Talec. Donc déjà ça m'aide, tu vois, à avoir un vrai voilà soutien familial qui est là. Eux ils sont trois garçons, donc à ce moment-là il y a trois garçons plus les parents, donc moi je suis le quatrième entre guillemets, tu vois. Donc voilà, je me retrouve dans un contexte quand même où c'est un peu plus facile, mais c'est dur. Après, le Havre me laisse un peu de temps. Je doute pas une seule seconde que je sais que ça va le faire une fois que physiquement ça va aller. Et effectivement, c'est ce qui se passe parce que le 5 mars, je fais mon premier match. Je me rappelle, on joue contre Fontaine-la-Mallet et on gagne 5-0 ou 5-1. Je marquais 5 buts. Le week-end d'après, on rejoue contre Auffranville, on gagne 3-0. Je marquais 3 buts et ainsi de suite. En fait, tu vois, tout de suite, en fait, dès que j'avais tellement d'envie, j'aimais un truc et en fait, tout se passe bien. Et à ce moment-là, je pense que eux, ça les rassure en disant, bon, on s'est pas trompé sur lui. Et après, voilà, tout s'enchaîne très vite. Mais à 11 ans, ouais, c'est dur. Les sacrifices sont là. Après, je fais un choix. J'ai un choix où, bah, tu sais, quand t'es loin comme ça, en fait, moi, tous les week-ends, quand j'ai des petits Parisiens rentrent chez eux, moi, je peux pas rentrer chez moi. Donc, c'est trop loin, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais en fait, j'ai un mode de fonctionnement qui me dit, soit je reste en contact téléphonique très souvent pour garder le lien et je me construis autour de ça, ou soit je décide un peu le contraire, c'est-à-dire que j'essaie d'imposer vraiment une coupure et au lieu de les appeler 10 fois par mois, je vais les appeler 2 fois par mois. En fait, je me complique la chose, tu vois, et je choisis cette option-là. Parce que je sais qu'en fait, de garder le lien proche, c'est que malheureusement, je peux pas les prendre dans mes bras, je peux pas truc. Non, Donc, non, je non. choisis le lien dur en me disant, mec, tu vas te construire par rapport à ta propre responsabilité, ta propre maturité, ta propre expérience, et voilà. Et dans les moments moins bien, bah, ils seront là par téléphone, etc. Mais tu peux pas pleurer sous la robe de maman, malheureusement, tu vois. Mais c'est vrai qu'aussi parfois, le fait d'être trop en contact avec les personnes qui te manquent, ça te tire un peu en arrière. C'est-à-dire au lieu de te pousser, il y a l'attachement et la souffrance que ça Pour représente. tes objectifs, ouais, de ouf.
T'es en train de cogiter à ce que t'as pas, etc. Et ça te ralentit un peu dans tes objectifs. Ce qui m'en fout, parce qu'on parlait d'une enfance sacrifiée, la responsabilité que tu te mets sur les épaules en pensant de cette façon, tu me parlais d'un adulte qui réfléchit comme ça, c'est logique, mais un enfant de 11 ans, qui, même 10 ans, qui réfléchit comme ça, c'est une responsabilité sur les épaules. Je faisais le lien avec ma vie à moi à 10 ans, à part penser à mon goûter, jouer avec les potes et ce que j'allais faire le lendemain, j'avais pas de responsabilité, tu vois. Donc en fait, toi, tu fais tout ça, si jeune, sans aucune garantie qu'au bout, ça va marcher. Non. Ouais, sans aucune garantie, mais tu vois, j'ai mon frère, en fait, qui est parti, mon demi-frère, qui est parti à l'âge de 16 ans, lui, pour la métropole, à Clairefontaine, à l'INF Clairefontaine, tu vois. Il était dans la génération de Franck Graviot et tout. Donc, en gros, lui, il avait déjà quitté la Réunion très tôt. Voilà, malgré que je suis son petit frère, bon, ben voilà, quand il revenait à la Réunion, pour moi, c'était un exemple, tu vois, mais c'était déjà des sacrifices, donc aussi ça a été une influence pour moi aussi, je pense indirectement logique pour moi, le voir réussir, parce qu'il signe pro à Sedan, après il joue à Charleville-Mézières, après malheureusement il perd voilà par rapport à des voilà sans là t'as le service militaire encore à faire au bataillon de Joinville etc. donc il y a des décisions à prendre, donc c'était moins facile que maintenant, j'ai envie de te dire, donc à garder un statut pro. Malheureusement, il perd un peu ce statut pro derrière, mais son petit bout de chemin après, que ce soit en CFA, en national, etc. Moi, en fait, à ce moment-là, quand j'ai cette logique-là pour moi et ces responsabilités, indirectement aussi, je le fais parce que je sais qu'à La Réunion, d'où je viens, grandir en cité, etc. J'ai quoi comme porte de sortie? Ouais, porte de sortie de me retrouver joueur d'équipe première à 17, 16 ans, à La Réunion, gagner déjà bien sa vie, parce qu'à La Réunion, les joueurs gagnent pas trop mal leur vie, sortir en boîte de nuit, se faire reconnaître par toutes les petites du coin, etc. Ouais, c'est bien, mais quelle ambition que tu peux avoir, plus? Ouais, non, moi, j'ai toujours été rêveur, je regardais beaucoup les cassettes vidéo. Parce que ça s'appelait comme ça, les cassettes vidéo. Ça s'appelait pas des DVD. Ouais, c'est vrai. Les cassettes vidéo. Et moi, je regardais beaucoup ça. Je regardais beaucoup, je me rappelle, il y avait une cassette vidéo que JPP avait fait sur les spécifiques attaquants. Moi, j'ai regardé beaucoup les cassettes vidéo de Risto Stoïkov, qui était l'un de mes joueurs favoris quand il était au Barça, tout ce qu'il faisait, son caractère et tout ça. Et en fait, voilà, c'est à un moment donné, copier un peu toutes ces choses-là et se dire c'est pas dans la facilité que je vais si je veux acquérir quelque chose que je vais l'affronter. Donc il faut l'affronter, je l'ai affronté d'une manière ou d'une autre. Je vais pas te mentir qu'aujourd'hui ça te laisse des séquelles. Ce serait se mentir que tout ça, malgré que tu arrives à atteindre ton objectif, à atteindre ton rêve de devenir joueur professionnel et le rester, ce manque-là qu'il y a eu quand tu parles d'enfance sacrifiée, ça a des séquelles sur l'homme que je suis encore aujourd'hui, à 39 ans. Parce que tu grandis déjà entre mecs, donc ton rapport en tant qu'homme avec les femmes c'est quelque chose de différent, parce que tu grandis pas auprès de ta mère, auprès de tes cousines, auprès de ta sœur si t'en as une. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire, c'est un problème aujourd'hui global, j'ai envie de te dire, même dans le football. Aujourd'hui, on voit un peu les faits divers qui peuvent se passer autour des footballeurs, si cela, mais il y a des vraies questions à se poser. Donc, formes de formation. Sans les excuser, les choses les plus compliquées qu'on peut lire sur les footballeurs, il y a une vérité dans le côté que le développement, il se fait à part du monde. Il se fait à part de la société, entre guillemets. Vous êtes dans un cocon séparé du reste de la société. Il n'y a pas d'apprentissage, comme tu dis, de vivre avec sa mère, ses cousines, ses sœurs, etc. Il n'y a pas même ce rapport aux filles, notamment. Aux filles, très compliqué, Colin. En classe, quand t'es tout ça est différent. Tu l'apprends, toi, très tard. Déjà, moi, on a la chance parce qu'on est en école, on est en collège ou en lycée public. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est pas au centre. Mais tu vois, il y a des clubs où même les cours sont au club. Ouais. Vois, c'est encore pire. Mais, le rapport humain avec la gente féminine. Notamment, il y a une vraie cassure dans le développement du relationnel, tout simplement. Tu grandis entre joueurs, entre mecs. Moi, je vais te dire sincèrement, les seuls
Les seules femmes que j'ai croisées, à part les professeurs, je te parle dans ma vie au quotidien, donc c'est-à-dire au centre, ben c'est celle qui est derrière les fourneaux, donc une des comment dire des femmes qui était derrière qui était à À la la cuisine cantine? et à la cantine, et l'autre c'est la femme de ménage. Ouais, bien sûr. Ok. Comment tu te Ok. construis, toi, à l'âge de 11, 12, 13 ans, 14 ans, en ayant juste ce relationnel-là de avec quelqu'un, voilà, qui joue pas au foot, ou qui est pas ta sœur, ou qui est pas une cousine, ou qui est juste une C'est femme qui est fou. là dans ton environnement? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai. Alors, comme je dis, on n'est pas là pour excuser quoi que ce soit, Non, 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 c'est pas mais l'idée. parce que mais c'est des vraies questions à se poser. Tu n'auras personne qui remplacera ta maman à cette période-là. Moi, par exemple, dans mon cas, il n'y a personne qui remplacera maman. Par contre, à qui je peux me livrer? À qui je peux parler mes doutes, mes peurs? Tu as besoin d'en parler à des hommes autant que tu as besoin d'en parler avec la sensibilité d'une femme. Totalement, totalement, Et ça, hein, malheureusement, dans le relationnel, c'est des vraies totalement. choses. Pour aller même aller un peu plus loin, voilà. Après, comme je te dis, pour parler cruellement et cru, bah, si à un moment donné, tu n'as pas une éducation où tu as des parents qui sont présents, malgré que tu sois au centre, à un moment donné, ton développement et de ta vision de la femme, à un moment donné, les premières visions de la femme que tu peux voir, c'est dans quoi, à ton avis? Ah ouais, c'est dans les magazines, c'est dans les trucs, c'est dans ces trucs-là. Etc. Donc les magazines, les films pour... et Ah c'est faut pas se... ouais, et on va pas se bah mentir. ouais, Et bon. toi, là que on parle de ça, tu dis ben ouais, au final, Bah ouais, ça explique beaucoup de choses. c'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de choses qui, mais comme je dis, ce sont des choses aujourd'hui qui se développent beaucoup plus. Par exemple, Ouais. c'est-à-dire que tu vois que dans les centres, ben, t'as des kinés qui sont femmes, t'as des docteurs qui sont femmes, t'as des aides à l'étude qui viennent au centre, qui aident. Et en fait, tu vois, et tu le vois, moi je le vois aujourd'hui, même je vois des équipes féminines vivent parfaitement et en complicité, en Ouais, c'est harmonieusement vrai. avec les C'est jeunes, vrai. les petits garçons en sport études. C'est Et vrai. ça, je trouve, c'est la meilleure chose aujourd'hui qui peut arriver dans le développement d'un jeune enfant, d'un jeune adolescent, en fait, parce que le jeune adolescent a besoin de se construire. Et il a besoin de se construire d'une manière ou d'une autre, de cette manière. Alors, comme je dis, moi, les séquelles, mes séquelles que j'ai pu avoir aujourd'hui, c'est moi, une fois que j'ai été parent, sur mon deuxième enfant surtout, j'ai eu un gros coup derrière la tête, tu vois, un gros coup derrière la tête, parce que je trouvais pas spécialement ma place, tu vois, en tant que père, j'arrivais pas spécialement à comment dire, parce que c'est des choses que moi-même j'ai pas vécues, en fait, tu vois. Et donc à un moment donné, tu sur tes attentes, sur il suffit que tu tombes sur une maman un peu protectrice, etc. Ben non, mec, c'est à toi de t'adapter, c'est à toi de d'être là. T'es plus enfant, t'es papa. Donc tu vois, c'est Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comment vrai. tu agis, comment tu prends des décisions, comment tu te responsabilises, toi, par rapport aux responsabilités que tu as. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Toutes ces choses, en fait, ce sont des choses que, à l'heure d'aujourd'hui, tu dois être sincère avec toi-même, et comment tu fais pour développer tout ça, pour aller de l'avant. Quand je t'ai reçu, je tiens à te le dire, là, t'as foutu en l'air tous mes plans que j'avais posés avant de te recevoir. Tu vois, j'ai travaillé, j'ai mis des questions, des thèmes, Liverpool, l'arrivée à Désolé, mon Liverpool. gars. Ça. C'est pas grave parce que ce qu'on est en train d'aborder là, c'est encore plus précieux. Donc, moi, je vais te proposer une autre invitation. On va parler foot pur, mais là, ce que tu me dis, c'est trop important pour qu'on passe à côté. Et on va rester en lien avec ton histoire, mais on va aborder ce côté plus psychologique. Et je te Ça me réinviterai pour va. qu'on parle de foot purement foot. Ça me va, ça me va. Là, tu me parles des séquelles. Tu me parles des séquelles, notamment sur ton deuxième enfant. Il y a ce côté relationnel avec le monde du foot tel qu'il est à l'intérieur. On parlait de cocon, on parlait d'être à l'écart de la société et comment le reste de la société vous voit à travers les médias. Quand vous voulez bien les donner, est-ce qu'on arrive à lire et parfois on se trompe sur ce que vous êtes et vos priorités? Tu me parles là des séquelles pour ton deuxième enfant. Ça se matérialise comment? Pourquoi c'est sur le deuxième et pas sur le premier? En fait, sur le premier, c'est pas. En fait, ma fille, je vis pas spécialement avec. Donc, c'est-à-dire que je suis pas spécialement avec sa maman une fois que, comment dire, une fois qu'elle va être qu'elle est née. Et donc, Ouais. je sais qu'entre guillemets,
Je devais développer le rôle de père, mais pas au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire au quotidien, matérialisement par niveau. Tu vois, quand on matérialise le tout, oui. Par contre, par rapport à ma présence au quotidien, non. Tu vois? Ouais. Donc ça, je sais que voilà, mes responsabilités vont être là, vont être en présent, mais malheureusement pas comme je l'aurais souhaité, parce que voilà, c'est la vie qui fait que par rapport à mon deuxième. C'est différent. Je suis avec la maman. On a des projets, on a des choses et en fait j'ai une attente en fait, une attente de, enfin une attente. Non, j'avais pas une attente. J'ai une excitation de vivre des choses tellement pleinement qui fait que par rapport au fait que avec ma fille j'ai pas pu vivre tout ce que j'aurais voulu vivre au quotidien. Donc là quand j'ai mon deuxième qui arrive, ouh, c'est attention quoi. Tu vois, je suis prêt Ouais, quoi. Tu vois, ouais. voilà. T'es prêt en découte, t'es prêt à être là, à présent, à faire tout ce que t'as pas pu faire, être utile de telle manière, telle chose, tu vois. Toutes ces choses-là, ben, comme pour, ce serait pour autre chose, en fait. Ouais. Sauf que maman espagnole de Madrid, je suis sous contrat, moi, avec l'Atlético Madrid, elle est enceinte de 7 mois, Ouais. au mois de décembre. Et là, début du mois, on m'appelle dans le bureau et on me dit, j'ai telle chose pour toi, telle proposition pour toi. Ouais. Ben c'est bien, mais en bas, en fait, je m'en fous, en fait, tu vois. J'en ai rien à foutre, moi, de ce que tu me racontes, tu vois. Ouais. Donc OK. voilà, je fais comprendre gentiment que je ne suis pas intéressé. Et l'offre, effectivement, du Sporting du Portugal en 2010, enfin 2009 à ce moment-là. Ouais. Tu rejoins en janvier 2010. Voilà. Donc, je fais comprendre dès qu'on m'appelle que je suis pas intéressé, en fait. D'une, je suis pas intéressé, moi, personnellement dans ma vie, par rapport à ma vie privée, mais aussi, même professionnellement. C'est que je sais très bien qu'à la fin de saison, Kun Agüero part normalement à Man City ou l'année Ouais, d'après, ouais. que derrière, moi, je suis en numéro 3 parce que Diego Costa est quatrième et il est prêté, lui, comment dire, il se fait prêter parce que moi, je suis en troisième, derrière Kun, Agüero et Et Forlan. Donc, je sais, il part, boum, moi, je viens m'installer, il rappelle Diego Costa parce que, en fait, je sais qu'économiquement, ils n'ont pas les sous pour faire venir des joueurs. Ils n'ont ouais. pas pour faire un transfert, tu vois. En fait, et je le sais, mais ça, je le sais. Donc, je sais pourquoi ils veulent me vendre. Je sais qu'ils sont à Atlético Madrid, en ce moment-là, ils sont en besoin d'argent de ouf et qu'il faut qu'ils arrivent à trouver un joueur qui a une valeur marchande intéressante sur lesquels ça pose pas spécialement un trou dans l'effectif. Et qu'ils récupèrent de l'argent sans devoir réinvestir sur un autre joueur. Ouais. Donc je sais pourquoi c'est moi. Et Ah ouais. effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Ils me laissent partir, derrière ils rappellent Diego Costa de prêt. Et au final, ils n'ont pas de trou, ils se font une marge sur le transfert, que je comprends aussi de leur côté, tu vois. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je leur fais comprendre premièrement que moi, ça m'intéresse pas. Quel intérêt j'ai? Ça m'a à ce moment-là, ma compagne qui est enceinte de 7 mois, qui est de la ville, qui est de Madrid, on est en Espagne. Moi, ça se passe très bien à l'Atlético. Pourquoi je viens tout exposer à deux j'ai fait 2 ans à Huelva où c'est très bien passé. Je veux rester dans le pays et continuer à ça cette démarche-là, tu vois. Sauf que le lendemain, j'ai tout qui change. Du moment où le premier rendez-vous te fait comprendre gentiment qu'on a telle chose, ça devient plus un. On t'impose les choses. Ouais, on t'a mis un coup de pression pour te montrer que c'était ce qu'il Voilà, et fallait que là, tu on te met un fasses. coup de pression. On te Ouais. dit, voilà, écoute, voilà ce qu'il en est. Toi, tu vas toucher certainement le plus gros contrat que tu vas toucher dans ta carrière. Nous, ça nous, il y a tel transfert qu'on va toucher. Et dans tous C'est les cas, si fou. tu veux rester, bah, personnellement, on va te mettre à la cave, entre guillemets, ta valeur marchande va tomber et tu seras perdant. En gros, Ok. voilà, elle est là. Elle est là. Donc, à partir de là, t'as 25, 26 ans, t'as pas envie de te mettre dans des situations compliquées. T'as envie tout Ouais. simplement de toi aller, de garder aujourd'hui, pas tout foutre en l'air ce que t'as pu, entre guillemets, entreprendre depuis on va dire, sur le terrain, pour garder ben, cette toujours cette ce truc d'aller de l'avant. Et voilà, et on m'a fait comprendre gentiment que je suis plus souhaité ici. Et c'est compliqué quand t'es attaquant, c'est compliqué de quand on te fait comprendre ça et savoir que ce que t'as pu faire en plus depuis les deux trois dernières années auparavant, t'as tout fait pour mérite pour te dire mérite d'être là en fait, tu vois.
Et tu étais appelé en équipe nationale à ce moment-là, etc., etc. Et bam! Mais Et là, je pars. il y a quand même plein de choses qui font que, avec tout ce que tu me dis là, je comprends encore moins certains tapages médiatiques qu'il y a eu contre toi. Donc à toi de me dire maintenant, avec le recul, si il y a du vrai, c'est complètement faux, si on faisait fausse route ou pas. Je reprends ta situation, là, tu me parles de l'Atlético vers le Sporting. Pourquoi est-ce qu'au Sporting, alors que là, tu me parles d'un jeune homme responsable vis-à-vis de sa famille, qui a plus les mêmes priorités parce que avant l'Atlético et avant le coup de pression de l'Atlético, tu pensais entre guillemets qu'à toi et ta carrière, là, tu as une pression familiale qui se met en place, etc. Ouais. Pourquoi est-ce que quand tu es au Sporting, on commence à te peindre une image de ingérable, de compliqué dans un vestiaire, d'égoïste, même on commence à parler de ta vie privée, parce qu'à la session, on commence à parler du fait que tu es un enfant là et un enfant là fait que tu es plus Ah sur ouais. le foot et que c'est compliqué. Comment on arrive à avoir ce genre de propos sur toi, alors que là, ce que tu me Ben, décris, en gros, j'ai envie de te dire, c'est que indirectement, tu sais, quand t'as des transferts. Tout ce qui est en dessous, en dessous de l'iceberg, tu le vois jamais ça. Donc, il y a rien ouais. qui sort en fait. Et malheureusement, dans le milieu, tu peux pas tout exposer. Donc, on voit, ben, lui, il est parti pour tant, il prend tant. Voilà, tu vois. Et donc, à ce moment-là, moi, quand j'arrive au Sporting, moi, j'arrive avec qui je suis, c'est-à-dire ma joie, mon bien-être. Je suis content que je vais avoir un enfant qui sera né au Portugal. Voilà. Très bien. Sauf que j'arrive dans un contexte. Où effectivement, ben, j'ai madame qui est enceinte, qui ne connaît pas le pays, qui doit s'adapter, qui parle pas la langue, qui, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte à ce moment-là. Donc moi, je fais venir ma belle-mère à ce moment-là aussi pour venir aider, pour trouver très vite une facilité pour tout le monde, que ce soit pour moi, pour elle, pour tout le monde, parce que moi je vais être beaucoup pris et Ouais. etc. Et Et en fait, c'est ouf parce qu'en fait, c'est là que je me dis que, en fait, c'est là que tu vois qu'au final, malheureusement, on va pas chercher plus loin et on regarde en fait tout ce qui apparaît. Mais Ouais. quand tu veux chercher plus loin, c'est que moi, j'arrive avec ce statut de plus gros transfert du club à ce moment-là, je crois, ou de l'histoire. Je crois à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore le sixième, je crois, plus gros transfert du Ouais. Sporting. À Si l'époque, c'est, t'es plus gros. je suis le plus gros à cette époque-là, tu vois. Tandis que c'est pas un transfert souhaité de ma part. Donc c'est pas pour ça que j'arrive avec j'ai envie de te dire avec le sur la pointe des pieds où je me dis je vais faire ouais j'ai pas envie la flemme non j'arrive moi j'ai envie de tout faire sauf que quand c'est pas un transfert souhaité souvent c'est du joueur t'inquiète quand t'arrives de l'autre côté tu le ressens aussi hein. Ouais, Tu le bah oui, bien ressens aussi que sûr. t'es pas spécialement le bienvenu et etc. tu vois Ouais. alors ouais le club ils vont faire un peu le truc en mode on va essayer de te mettre à certains niveaux, certains niveaux, certains niveaux. Sauf que le club du Sporting, à ce moment-là, ont besoin autant d'argent que l'Atlético Madrid. Ouais. Donc les supporters comprennent pas comment ils peuvent dépenser autant d'argent sur un joueur qui aujourd'hui n'est pas un joueur référent du championnat européen aujourd'hui. Il y a un truc qui est incompris, en fait. Il y a un truc Ouais. qui est pas compris et la part des supporters, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a une attente. Je veux dire, mais lui, pourquoi on va aller chercher 12 millions tandis que non, il y a un truc qui est bizarre, tu vois. Et le problème, c'est que moi, j'arrive au mois de janvier et au mois de mars, il y a changement de président. Ouais, ça c'est fou. Donc, c'est-à-dire que le nouveau président, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il arrive, il va vouloir démontrer que l'ancien président a fait de la merde. Ce qui est logique. Donc, il va regarder sur qui? Il va regarder sur quoi? Le premier personne, il va regarder qui a le plus gros contrat? Qu'est-ce qu'il en est? Combien de temps il a joué? Combien de buts il a marqué? Ça fait 2 mois que je viens d'arriver, mec. J'ai madame qui accouche le 24 février. Ça fait même pas 2 mois que je suis dans le pays. Je parle pas spécialement la langue. Je dois arriver dans un club qui est en période de crise parce que Sporting Portugal, c'est comme l'Atlético Madrid à ce moment. C'est un club qui a énormément gagné, mais qui gagne plus grand chose Ouais. sur le plan national. Donc il y a une attente qui est ouf, une pression qui est ce qu'elle est, un transfert qui est pas souhaité de ma part, indirectement. Donc je dois tout assumer. Et le nouveau président qui va vouloir démontrer A plus B, que l'ancien président a fait de la Ouais. merde sur les choix qu'il a pu faire. Et effectivement, les choix qu'il a pu faire, ben, on va taper sur qui? Ben, sur qui? C'est celui qui a le plus gros salaire et le plus gros transfert. Hein. Donc, lui, on l'a investi dans les boeufs. Et c'est pour ça OK. que j'ai 3 ans de contrat en Angleterre, pardon, en Angleterre, au Sporting. Et en Ouais. fait, je suis plus souhaité. C'était pour ça que dès le premier été, on me fait comprendre gentiment, trouve-toi un club pour aller en prêt. C'est incroyable. Donc tu te retrouves d'un endroit où tu voulais être à l'Atlético, où tu étais bien épanoui avec ton enfant qui allait naître, etc., à un transfert non souhaité dans un autre pays, à être vu comme un paria et à être déjà mis à la porte dès l'été qui suit.
En Il six mois de était temps, tu vis question. tout ça. Ouais, parce que moi, je pars dans une. Ouais, à ce moment-là, je pars dans un, dans une déprime, une dépression totale. Moi, à ce moment-là, je dis, sans ma thérapeute, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. Hein, à ce Tu moment-là, à ce bascules moment-là. en dépression à cause de tout ça? Ouais, à ce moment-là, je te dis, je tombe. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai mon fils qui naît. Il y a sur le hors terrain, c'est ouf. Dans ma vie privée, moi, ma compagne, je me rends compte que au final c'est quelqu'un voilà où je trouve pas spécialement, elle me laisse pas beaucoup de place dans ma vie, tu vois, avec auprès de mon fils où j'avais ce truc d'attente aussi, tu vois, donc où j'étais même j'ai l'impression que je m'étais même jugé chez moi, tu vois, je prenais mon enfant comme si attention pas comme ça fais comme si, tu vois ce que je veux dire, tous ces petites trucs choses là en fait où tu où t'es perdu où t'es où t'as plus d'assurance en fait que ce soit dans ta vie privée que comme dans ta vie professionnelle et c'est un acharnement de choses qui vient sur toi que l'humain n'est pas prêt en fait pour ça parce que à part si t'as vraiment à un moment donné un bagage de ouf et tu vois comme ça mais à ce moment-là ouais à ce moment-là je fais la démarche moi de voilà de comment dire de faire de travailler avec une thérapeute à Madrid et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui elle m'est toujours utile Ok, mais tous ces trucs-là que tu vis parce que finalement tu le vis assez tard, ouais quand tu es en Angleterre, t'as pas du tout ces mêmes soucis-là? Parce que les conditions de ton départ bah en non. Angleterre, elles sont compliquées. Comment ça se passe en Angleterre? Non, une fois que je suis en Angleterre, moi, j'arrive, tu sais, j'arrive pas en mode Warren, toi, qui arriverait aujourd'hui à Arsenal ou à Liverpool, il y aurait une attente. Moi, quand j'arrive, quand Anthony et moi, on arrive, on a 17, 18 ans, on a montré, voilà, on vient d'être champion du monde, etc., etc., mais on n'a pas explosé encore, on n'a pas une visibilité de ouf, tu vois. Donc, on sait qu'on a le temps pour réussir. On a le temps pour se faire notre bout de route, toi, à Liverpool. Et c'est exactement, j'arrive sans pression. Donc, j'arrive en prenant tout ce qu'il y a à prendre. Et ça se passe bien dans ce que moi, j'ai en projet dans ma tête, dans mes bouts de match que je dois faire, en gagnant les titres que j'ai envie de gagner avec eux. Ensuite, cela, ben, j'atteins ce que j'avais envie d'atteindre. Je fais partie de l'épopée de 2005 quand on gagne la Champions League. Et malheureusement, je me fais mon premier croisé à 21 ans qui vient me mettre un peu les bâtons dans les roues. Mais non, mais pour moi, enfin, quand j'arrive à Liverpool à 18 ans, je sais que je vais pas passer devant Owen qui vient d'être ballon d'or. Je suis pas ouf. J'apprends à, là, avec tout ce que tu me dis, j'ai toutes les coulisses de ce que tu vis, notamment après Liverpool, pendant Liverpool, etc. Où il y a une sensation de nous, de l'extérieur, de crack qui a plein de mésaventures et qui fait qu'il n'atteint pas le potentiel qu'il aurait dû atteindre. Ouais. Déjà, est-ce que toi, avec le recul, très rapidement, est-ce que tu as cette lecture-là aussi, de crack qu'aurait pu connaître bien mieux? Oui, mais ouais. Alors, je te coupe, hein, mais oui, je l'ai. Sauf que pour moi, le bon regret, il n'est pas aujourd'hui à Liverpool. Parce que moi, à Liverpool, quand je pars de Liverpool, quand j'arrive à Huelva, en fait, ce que j'arrive à faire à Huelva avec Marcelino la première année, mais mec, c'est parce que c'est ce que je me suis construit à Liverpool. Ouais, bien C'est sûr. pour ça que je suis performant très vite. C'est Bien pour ça sûr. que derrière, 2 ans après, j'ai le transfert à l'Atlético Madrid. Donc à partir de là, moi, mon processus, il est parti. OK. C'est-à-dire, alors ouais, on pourrait dire, ouais, mais de Liverpool, il passe à Wolverhampton. Ouais, ben oui, de Liverpool, j'aurais pu aussi aller à Tottenham, à Manchester City du temps, hein, pas de maintenant, parce que j'ai une offre. Sauf que ça se fait pas et je prends pas ça. Parce que je sens que moi, je suis prêt peut-être pour autre chose. Je suis prêt pour un autre challenge. Et le challenge, c'est le truc de Huelva, où c'est Pablo Longoria comment dire, qui m'a détecté à 18 ans et qui m'a proposé à dire à Marcelino, ben, prends-lui en prêt la première année et tu verras qu'il va te faire du bien par rapport à ton football, cela. Et il a eu raison. Et ils ont eu Ouais, il a eu raison raison. Il a parce eu que raison. c'est grâce à ça que derrière, j'ai cette carrière en Espagne, où c'est le championnat où j'ai le plus joué, au final, comment dire, qui débute sur les 2 ans à Huelva et la première année de l'Atlético, où je marche, entre guillemets, sur l'eau. Sauf quand on parle de crack qui, à un moment donné, a bugué, que ceci, que cela, bah, moi, si tu me prends le regret de ma carrière, c'est ce regret du passage de l'Atlético Madrid au Sporting. Au Mais Sporting, c'est là que ça se joue. bien sûr que c'est là que ça joue, on est en 2010. On est en 2010, il me reste à tout casser 9 ans devant moi. Si tu te rappelles bien, juste pour te la faire en gros, alors ça ne veut pas dire que j'aurais fait la même chose. Reprends la carrière de Diego Costa. Je le vois le parallèle. Ouais. Regarde à quel moment il explose.
Ok. Regarde à quel moment il a du temps de jeu. Regarde à Ouais. quel moment il marche sur l'eau. C'est au moment que je pars. Ouais. Sauf que cette place-là, Elle était pour toi, là-bas. à la base, c'est moi c'est moi qui dois l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, le football, c'est ouf. Parce que là, je te le dis comme ça, et là, en fait, tu dis, putain, je n'avais pas pensé avant, ou je savais pas, moi, ça, tu vois. Et là, on en discute comme ça, tu vois. Mais la vérité de ce qu'il en est, c'est ça. Alors, comme je dis, on va pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire, je vais pas dire ce que je fais. Je te dis juste, question de priorité et d'endroit. Je dis pas que j'aurais fait la même chose que Diego Costa. Je dis juste que j'aurais eu l'opportunité, Ouais. comme Diego Costa, de m'exprimer et d'être présent à tel endroit. Et si j'ai commencé le début de saison en étant Pichichi de la Liga, après 5 ou 6 journées, l'année où je pars au Sporting du Portugal, quelque chose me fait penser qu'en étant cet attaquant titulaire, comme Diego Costa l'a pu l'être quand il est revenu de prêt l'année qui suit, une fois qu'Agüero est parti, eh ben, quelque chose me dit que si j'ai su être Pichichi de la Liga en remplaçant Forlan quand il a été blessé l'année ou quand il se blesse contre Schalke 04 à l'extérieur en play-off de Champions League, donc il est 2 mois ou 1 mois et demi absent, je fais le job très très bien avec Kuhn. Donc je me dis, voilà, une fois que Kuhn serait parti, j'aurais fait la même chose Ouais. avec Forlan, voilà. Mais bon, c'est ça le foot, c'est ça la vie, et c'est ouf en fait. Mais c'est pour ça aussi que c'est passionnant au final. Si je te le raconte aujourd'hui, je te le raconte avec autant de passion, Ouais, parce que, c'est vrai. toi. C'est vrai. C'est passionnant, mais c'est frustrant. Ouais, c'est C'est plein frustrant. d'émotions. C'est plein d'émotions. Et si ça l'est pour moi, quand je t'écoute raconter ton récit, je me dis que toi, t'as dû le vivre en fois mille. Donc, c'est. Ok. Ouais, de ouf. Ok. De ouf. Ok. Ma dernière question avant de te laisser partir. On a parlé de tout ça, et quand tu pars du Sporting, il y a, et je l'ai lu dans une interview où tu le dis, les clubs, ils avaient peur de moi. Tu parles du Ouais. comportement de la SSE, tu parles de, notamment, il y a eu cette déclaration de Djidi Bécali qui a complètement vrillé, qui a été raciste, bref, Ouais. sur Ouais, toi. Comment tu le perçois, toi, à l'époque? T'as l'impression que le foot system t'as mis de côté? Qu'est-ce qui se passe? en gros, alors je vais te dire moi ce qu'il en est. Après, c'est aussi un truc. Je pense qu'à partir de 2010, quand moi il se passe ces choses-là sur les choses difficiles à affronter, t'as un enchaînement, t'as un enchaînement de petites blessures par-ci par-là qui va être relié bien sûr avec tes performances. Et aussi qui va être relié indirectement par rapport à la vie que tu as. Alors moi, c'est sûr que voilà, on va relier le fait que j'ai un enfant là, un enfant ici, tu vois, voilà, ouais, effectivement, j'ai 3 enfants et trois mamans différentes. Mes rapports avec ces mamans, ça se passe très bien. Hein. Mes 3 enfants portent bien Sinama Pongol. J'ai pas de soucis avec qui que ce soit, tu vois, au contraire. Donc c'est une certaine stabilité aussi que voilà, mais les gens là, ne peuvent pas le voir de cette manière. Mais de toute façon, le football, en l'occurrence, il faut rentrer dans le moule. Il y a une certaine manière où c'est formaté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être de telle manière, telle manière, telle manière. Et moi, je pense que toutes ces petites choses-là, comme tu l'as vu sur ton interview, je fais peur. Alors, je fais peur par rapport à quoi? C'est l'interprétation. Ah, il a touché certainement tel salaire, donc lui l'avoir dans tel vestiaire, peut-être c'est un problème, parce qu'au final, aujourd'hui, il va venir avec certainement telle voiture ou tel truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait de quoi? Ça fait quel homme, ça? Ça fait quel homme? Moi, je pense pas. Hein. Après, tu peux mener ton enquête, mais je pense pas qu'aujourd'hui, tu peux passer. Ou tu peux. Moi, aujourd'hui, je pense que sincèrement, dans tous les clubs où j'ai passé, je peux taper à n'importe quelle porte et je pense que je serais bien reçu. Parce que j'ai J'ai eu jamais été un aucun fouteur de mauvais merde. retour quand j'ai cherché, j'avoue, j'ai pas eu de mauvais retour. J'ai cherché parce que je me suis dit, bon, pour qu'il y ait ce genre d'attitude envers lui, Ouais, c'est que ouais. forcément il y a un souci. J'ai pas vu de souci. J'ai jamais eu de problème avec ce soit avec un éducateur, que ce soit avec un président, avec un club, jamais. C'est-à-dire ouais, tu vois, à Saragosse, à un moment donné, quand tu fais siffler au bout de 5 minutes, tu peux avoir une réaction quand tu marques, du style taisez-vous, tu vois, voilà, des choses comme ça, tu vois, qui est sur le coup, mais qui fait pas de toi une mauvaise personne ou etc. Avec mes coéquipiers, j'ai été toujours des très 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 bons, des très bons, ouais, un côté alchimie avec eux, harmonieux qui passait très bien, hors et sur terrain. Alors après, on a différentes générations, on a différents envies, différents projets, donc ça c'est encore autre chose. Mais non, il y a beaucoup de choses qui étaient mises à mon égard, sans vraiment sans justificatif en fait. Il n'y a jamais rien eu vraiment que. Mais oui, mais
d'être père de famille de trois enfants, de trois femmes différentes, de toucher l'argent, de toucher l'argent. Tous ces a priori-là qu'on a de l'extérieur, même dans le foot, ça joue. Ça conditionne des Bien choix, sûr, ça ça joue. conditionne. Ouais, Okay. bien sûr, ça joue. Et moi, je sais que, bien sûr, ben après, quelqu'un qui se blesse beaucoup, qui se blesse beaucoup. Alors, quand je dis se blesse beaucoup, effectivement, j'ai trois croisés. J'ai trois croisés, mais sur mes trois croisés, j'ai pu finir ma carrière très bien. J'allais dire en football pro. J'ai jamais, comment dire, ça m'a jamais pas, ça m'a permis de pouvoir performer à mon meilleur niveau, prendre du plaisir dans ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire jouer au football, sans avoir de problème de genou. Sans aujourd'hui pas être capable de faire du sport, même en tant que retraité, et indirectement, mon argent que j'ai pu avoir quand je jouais n'a jamais été un problème dans ma façon de d'être dans un vestiaire, de côtoyer les gens, que ce soit du côté technique, administratif, dans un club, au contraire. Comme aujourd'hui, je suis à Canal, je m'intéresse autant à ce qui se fait en régie qu'en plateau. Et j'ai toujours été de cette manière en fait. Donc c'est pour ça que il y a plein de choses qui sont compliquées pour moi de l'accepter, comprendre. Mais je pense qu'effectivement à Saint-Étienne, l'année où je suis en prêt, ça se passe bien. Et effectivement j'ai ce dernier petit claquage, problème musculaire qui apparaît au mois d'avril, je crois, qui me fait un peu louper la fin de saison. Et à ce moment-là, mon contrat, il n'est pas mon option de prêt. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi, voilà, on commence un peu à. Ah ben tu vois, il s'est encore blessé comme ça, c'est un Ouais, joueur claquage, fragile et tu tout. vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, Ouais. et ça, toutes ces choses, en fait, ça joue contre toi. Mais parce qu'on pourrait parler des heures et des heures. Et je te dis, mon histoire, j'ai beaucoup de gens qui me disent, eh, mec, il faut t'écrire un livre. Je te jure, il y en a De plein fou, qui me c'est disent, faut vrai, t'écrire c'est vrai. un livre. Et je te prends un exemple tout con. Je vais juste pour avant le truc, c'est, tu vois, on va parler de blessure. On va parler ma blessure en Russie. D'accord? Je vais te remettre dans un contexte. Tu vas me dire, mais ça, même moi, je n'y ai pas pensé. Regarde, je vais te la raconter. C'est-à-dire, en Russie, j'ai 3 ans de contrat. Non, pardon, j'ai 2 ans de contrat, d'accord? 2 ans de contrat. J'arrive en Russie au début septembre. J'ai 2 ans de contrat. Il faut savoir qu'en Russie, il y a la trêve hivernale. Ouais, ça s'arrête de mars à... Non, ça t'arrête. Non, au contraire, ça s'arrête de novembre à mars. Ouais, c'est ça, de novembre à mars, c'est ça, ouais, c'est comme ça. Donc, tu es toujours dans la même saison. Ouais. D'accord? Donc, c'est-à-dire que moi, j'arrive au mois de septembre. OK? Ouais. Je joue les 2 premiers mois. Donc, dans la natation, je joue les 2 premiers mois jusqu'à fin novembre. Je vais en. Il y a la pause hivernale. Donc, 1 mois de vacances, on fait la prépa derrière. Et c'est-à-dire qu'on revient en championnat, mois de mars. Je me fais les croisés mi-mars. Écoute ce que je viens de dire, j'ai 2 ans de contrat. OK? C'est-à-dire que je me fais les croisés mi-mars. C'est-à-dire que je reviens octobre. On est déjà sur la deuxième année. Deuxième saison, je reprends, j'ai eu le temps de faire 1 ou 2 matchs. Avant Mois la de trêve. novembre, je pars en trêve hivernale et je reviens au mois de mars. Il me reste 2 mois avant de m'en faire le contrat. Ok, donc même la décision elle est déjà finie, c'est-à-dire que avant même que tu Et en reprennes gros, ça veut au... dire que si tu dois te blesser, t'as 2 ans de contrat. Gros, baisse-toi avant la trêve hivernale, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, c'est un truc de ouf. Et tu te dis, après les gens ils regardent, ils disent, mais putain, c'est ouf. Au final, il a été en Russie, il était 2 ans, mais il a joué 4 mois, 5 mois. Ben ouais, ouais, parce que en gros, si je me blesse la première année, je me blesse au mois de novembre, c'est pas la même histoire que si je me blesse au mois de mars. Bah oui. Parce que la trêve hivernale, en fait, donc que j'ai les 3 ou 4 derniers mois, c'est pas un problème parce que c'est-à-dire que je revois au mois de juin, j'ai encore 1 an que je peux rejouer derrière. Tu vois, Ouais, je vois. c'est que des Ouais, faits je vois comme très bien. ça, mais voilà, c'est, toi, ça, je te le dis comme ça, c'est vrai que je te le dis là, mais c'est vrai que toi, tu peux pas penser à ça parce Non, que tu peux non. pas, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, je Non. prends quand même un titre. Je prends quand même un titre parce que je reviens, je termine jusqu'à la Coupe de Russie et je rentre et à la fin, et il me fait rentrer pour tirer les pénaltys, tu vois, et on gagne, tu vois. Et ça a été la première année, la seule année où Rostov sur le Don gagne et on a une très bonne génération Ouais. avec d'ailleurs Artem Dzouba, l'attaquant numéro 1 de la Russie. C'est fou quand même. Tu marques l'histoire du club, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les histoires, elles sont. Il a raison. Ton entourage a raison. Faut que tu écrives un livre. C'est un truc de fou. Ouais, après, le truc, c'est que je dis toujours, pour écrire un livre, autant tu fais un livre pour tout dire, sinon c'est pour rien dire, ça sert à rien. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et
sur et hors terrain, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que voilà. Ouais, justement, j'avais tellement de questions sur le terrain qu'il va falloir que tu reviennes dans l'émission pour qu'on en parle, parce que j'ai plein de questions Avec par cœur. plaisir. J'ai plein de questions. En Avec tout cas, plaisir, mon merci pour la colin. transparence, parce que franchement, ça me touche. Et c'est pas souvent que les invités ou autres s'ouvrent comme ça sur ce qu'ils ont pu vivre en dehors des terrains, que ce soit au niveau perso ou autre. Donc, merci beaucoup, ça me touche. Ah, de rien, au Et plaisir. puis, comme je t'ai dit, on se retrouve très vite dans l'émission pour un Quand autre tu veux, épisode. quand tu veux, pour un C'est sympa. épisode, parler football, sans souci, avec Ça plaisir. marche. Les autres, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.